Et yo tout le monde, ça fait Fibon qu'on se retrouve sur Chute à 5 online pour présenter le nouveau véhicule qui vient de sortir. Du coup, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais de toute façon, vous pourrez le voir au titre et à la miniature, c'est quoi le véhicule. Et si jamais, si vous connectez cette semaine à GTA 5 Online, vous débloquerez 1 million de dollars et une casquette, je crois. Du coup, ça peut toujours être pas mal, 1 million de dollars, c'est assez bien. Du coup, on passe directement à la full customisation, à tout de suite. Du coup les potes, le véhicule il s'appelle le Squadji, il coûte 1 130 000 dollars. Du coup ça va encore pour ça va encore 1 130 000 dollars. C'est l'argent que vous avez gagné en vous connectant et vous rajoutez 130 000. C'est quand même un peu cher pour ce véhicule, mais ça passe quand même, voilà. Alors du coup pour ma part, bah, je vais l'acheter. Alors tac, du coup c'est un véhicule comme ça. Tac, on va quand même lire le truc. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas pu. Oh, attendez, parce que moi mon écran il est un peu mal. Attendez, hop. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas plus. Que vous n'avez plus l'âge de jouer à la guerre avec d'autres gamins. Maintenant, vous a. Oula, je ne sais plus lire. Vous jouez à la guerre avec des adultes, vous vous rasez les cheveux sur les côtés et vous vous entassez tout le torse nu. Dans un camion blindé en faisant des bruits de moteur comme quand vous étiez petit, mais cette fois-ci votre mère n'est plus là pour vous préparer un goûter. D'accord. Du coup, bah voilà. Du coup, le véhicule est là. Du coup, on se retrouve directement quand on est au LS Custom. A tout de suite. Du coup, nous voilà les potes. Du coup, le véhicule est arrivé. Du coup, on va faire un peu le tour. Voilà, la plaque elle est à gauche. Ok. Bon, on va rentrer dedans. On va direct au Custom. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti. Alors, le Mammoth Squad, ok. Alors, blindage, bah on met à 100%. Carrosserie, alors, ok. On va tout regarder, bien sûr. Ah, celui-là, j'aime bien. Ça fait stylé. On va regarder les autres. Ok, bon, on va mettre la variante max avec tout. Avec les sacs. Je pense que c'est des sacs. Ok, ça va. Alors, on va mettre ça. Ensuite, le pare-choc. Ok. Vous pensez qu'on peut remorquer des véhicules avec cette voiture? On va voir ça plus tard. Je verrai. Ok. Bon, je vais mettre ce qui est au début. Voilà. Essayer de mettre un pain trop. Ah, celui-là, je vais mettre, ouais. Parce que j'ai pas envie qu'il soit chromé. Comme ça, voilà. J'ai pas envie qu'il soit comme ça. Ok. Ok, bon. Je vais mettre celui-là. Sans plaque, parce que la plaque, on s'en fout un peu. Le châssis. Ce que j'aime bien avec les nouveaux véhicules, c'est que il y a beaucoup de trucs à mettre sur les côtés des véhicules. Et ça, j'aime bien quand il y a pas mal de trucs sur les côtés. Ça rend un style. Du coup, attends, je vais regarder de l'autre côté. On va mettre ça. On va mettre de l'autre côté plutôt. Non, vas-y, on va mettre ça. Du coup, on va le mettre. C'est super stylé. J'adore en fait tout ce qui est comme ça. Portière. Alors. Ok, c'est le design de la portière qui change. Ok. Porte blindée. Ok, bon, je vais mettre. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre cela. C'est un peu chromé, mais ça rend un peu stylé. Ça rend pas stylé, mais j'aime bien. Alors, moteur, ben, à fond, ça, on s'en fout, ça change rien. Alors, échappement, on est bien d'accord que. Ah, si, c'est là. Je croyais que ça changeait rien, mais si. Ok, ah, voilà, encore des trucs sur les côtés. Et ben voilà, on va mettre ça. Xulif, non, ça, je mets pas. Attends, j'aimerais bien voir ça. Ah, ça débloque le niveau 50. Ok, non, les explosifs, ça sert à rien pour moi. Pas trop utile. Ok. Ok, bon, je vais mettre celui-là. Ou alors. Non, je vais mettre celui-là, je vais mettre celui-là. Je préfère les petits phares comme ça, les ronds. C'est stylé. Capot. On a juste que capot, d'accord. Ah, encore des trucs à rajouter. Ça fait plaisir. Ah, bah non. Bah, je vais mettre celui-là, du coup. À moins que là. Encore plus de sacs. Non, y a rien qui change, les gars. Bon, je vais quand même le mettre, on ne sait jamais. Voilà. Klaxon, on va mettre long et puis je vais mettre celui-là. Non, pas celui-là. Musico, et je vais mettre.
sais plus c'est lequel que je mettais sur le véhicule. Ça doit être celle-là. Ouais, c'est celui-là. Je sais plus c'était lequel. Hop, phare, support néon. Ouais, bah oui, normal. Alors, mais j'avais essayé de faire un truc en mode histoire. J'avais mis Vermont. Je vous promets que dans la nuit, le Vermont, ça rend super stylé. Je vous jure que ça rend super stylé. Du coup, je vais le mettre. Je vais voir ce que ça donne. Et si sur le online, ça fait pas trop bien, bah j'enlèverai. Alors, motif. Le motif, je vous le montrerai. À moins qu'il y en a. J'ai un coup de cœur pour un motif. Mais les motifs, je vous jure que j'ai aucun véhicule à motif. Je déteste. Je déteste les véhicules avec les motifs. J'aime vraiment pas. Encore sur un motif et que le truc là où ce qu'il y a les sacs et les caisses de munitions là. Et il y aurait juste le noir et rien sur le véhicule. On pourrait juste colorier. Mettre en couleur. Là comme là. Parce que là il y a gris, là il y a noir. Si on pourrait juste changer ça, ça m'irait. Alors, ensuite. Ok, ouais, bah moi je vais rien mettre comme je vous ai dit. Rétroviseur. Bon, je pense que je vais mettre les max. Je vais mettre celui-là. Plaque. Je sais même pas comment que j'ai eu cette plaque, mais en fait ça sert à quoi de mettre deux plaques, on les a pas. Ouais, bah faut pas les mettre. Couleur, on va les mettre après. Le toit, on va tous les regarder. Mais on va pouvoir mettre des trucs, ouais, c'est bien ce que je disais. Ok, bah je vais mettre celui-là. J'aime bien, comme je vous ai dit. Vendre, non, c'est pas mon intérêt. Par contre, on le vend que à 700 000 alors que je l'ai acheté 1 200 000 et puis là j'ai dépensé je sais pas combien de dollars. Ah ouais. Le bas de caisse. Il te fait faire un tour. Voilà, bon, je vais mettre celui-là. Suspension, bah niveau max. Transmission, pareil. Turbo, pareil. Roue, type de roue. Moi j'aime bien mettre. Attendez, je sais plus c'est lesquels que j'aimais bien mettre. Je sais pas si c'était là. Non, ça doit être tout terrain. Jante chromée. Non, c'était pas dans jante chromée, putain, je suis con. Ça doit être à côté là. Au pire, je mettrai les roues de F1 dessus. Hein. Tant pis, hein, ce sera un véhicule modé, mais. C'est pas grave. Ouais. Allez, non, je sais pas. Bon, les roues, je vais pas les changer, je les mettrai des roues de F1, même si ce sera modé, c'est pas grave, désolé, mais tant pis, voilà, ouais, si je vais quand même l'en mettre pour l'instant, parce que autrement. Non, bah ça sert à rien. Pneus, amélioration des pneus, ouais, je dirais que les mettre, même si ça me servira pas plus tard. Fumer les pneus. Je sais pas, je vais mettre du orange, allez. Ah, je sais pas si je mets des roues de F1, parce que ça ferait moche en fait si je mettrais des roues de F1. Ouais, non, je vais pas mettre de roues de F1. Ça rend stylé quand même les roues de F1, mais non, je vais pas les mettre. Tant pis, tant pis. Alors, on va mettre les SUV. Je vais essayer de trouver des roues sympas à mettre. Parce que c'est pas mon style toujours mettre des roues. C'est pas le truc que je regarde sur les véhicules. Du coup, j'ai pas trop de roues à mettre. Ouais, je vais mettre haut de gamme, chromé. Je vais mettre les dernières. Je sais pas. Ouais, je vais mettre celle-là, allez, tant pis. Hop, comme ça, je pourrais bloquer la couleur des jantes. Ah, il faut qu'elle soit. Faut pas que les roues. Pour les roues, mais les pas. Ok, d'accord, c'est pas grave. Vitre, bah, ni vitre comme ça. Ok, allez, parture, c'est parti. Alors, j'aime bien mettre du métallisé. Attendez, nacré, c'est bien d'accord qu'il faut que ce soit métallisé, on est d'accord. Du coup, je vais mettre du métallisé. Bon, par contre, ça change pas de rôle. Ouais, parce que les trucs là, ils changent pas de couleur. Bon, je vais essayer de faire un truc comme j'avais fait sur un autre de mes véhicules. On va faire un truc vraiment dégueulasse, genre. Si on peut. Ah, c'est pas pareil que sur mon autre véhicule. Ah, c'est pas pareil. Non, bah je vais pas mettre ça. Putain, Ouh, je galère un peu à customiser mon véhicule. Pourquoi j'avais mis du vert, je sais plus quoi. Mon autre véhicule. Ouais, écoutez, je vais mettre une couleur qui va pas du tout avec le véhicule. Ah non, du violet, ça rendrait moche. Ça rendrait moche, ouais. Je vais mettre du vert foncé, je sais pas quoi. Un vert. Un beau vert. Ouais, c'était du vert foncé que j'avais mis, je me rappelle maintenant. Et là, j'avais mis du bleu. Un bleu, je sais plus lequel.
Je vais te mettre celui-là, le bleu blanc foncé. Couleur secondaire, pareil. Alors. Ah si, c'est bon, je peux... Ah oui, je pensais pas que j'aurais pu changer. Ok, nickel. Alors, c'était quoi déjà que j'avais mis là, attendez, que laissez-moi réfléchir. C'était du vert. C'est bien ça, c'était du vert. Hein. Que j'ai pas Alzheimer, quand même. Vert foncé, non, ça doit être ça. Métaux. Non. Ah, y a pas nacré. Ah, ça prend direct la couleur, je crois. C'est la direct prise. Alors, autrement... ouais. On va garder quand même la couleur. Ok, bon, c'est moche en or et tout. Ok, bon, bah c'est tout. Un peu long la customisation, mais je savais pas quoi mettre en fait comme sur ce véhicule. Parce que j'ai pas l'habitude de tuner des genres de camions. Ok. Ouais, il est pas mal, hein. Oh, ouais, il est pas mal, en vrai. Oh, je vais un peu l'utiliser. Oh, pas mal. Il est pas mal ce véhicule. Il est pas mal, les gars. Bon, dans la nuit, on voit pas très bien la couleur du véhicule, mais voilà. Bah, ça passe. Vous voyez le vert? On le voit assez bien. On le voit pas énormément, mais on le voit bien. C'est ça que j'aime bien. Ouais, ça va, il est bien. Ça fait stylé avec toutes les munitions et tout, et les sacs sur les côtés. Ok. Bon, ben, on va se laisser là-dessus, les potes. Hein. C'est tout pour cette vidéo, et puis moi, je vous dis à la prochaine, et ciao, ciao.